Depuis l'été 2017, TF1 mise sur Demain nous appartient au quotidien en access prime time. La chaîne privée a fêté le 1.000 épisode de sa série quotidienne à la fin août 2021 et elle en a profité pour orchestrer une profonde refonte. Un remaniement fatal à TF1 parallèlement à une vague de départ sans précédent, Demain nous appartient a accueilli de nombreux visages familiers des Français. Ce remaniement n'a pas été sans conséquences pour TF1. La chaîne privée a vu sa série sans cesse s'orienter à la baisse en audience. Dès lors, TF1 a sommé la production de Demain nous appartient à revoir sa copie. Aucun héros ou même historique ne s'est retrouvé à l'abri du danger. En décembre 2021, la série, portée par Ingrid Chauvin, Chloé, et Alexandre Brasseur, Alex, depuis 7, a été le théâtre de nombreux bouleversements. Des bouleversements en série à 7 premiers bouleversements de taille, le couple phare de Demain nous appartient, Chloé et Alex, s'est séparé. L'héroïne s'est destinée à un nouveau départ sur le plan sentimental. Un nouvel homme est entré dans sa vie et ça n'est pas resté longtemps sans conséquences. Le lycée Agnès Varda, que Chloé dirige, a été, en parallèle, le théâtre de drame. Des retours ont également rythmé Demain nous appartient à l'approche des fêtes de fin d'année. Parallèlement à une demande d'adoption de Charlie, Clémence Lassola, les Moreno ont retrouvé Dylan, Joachim Fossi, et Jessica, Garance Teillet. L'arrivée de Nordine, Youssef Agal, a, en outre, fait basculer le destin de Martin, Franck Monsigny, au commissariat. Quelle suite pour Demain nous appartient? Un an plus tard, Demain nous appartient n'est actuellement pas diffusé par TF1. La chaîne privée a scellé et dévincé sa série durant la Coupe du Monde. Celle-ci ne reviendra à l'antenne que le lundi 19 décembre 2022. DNA sera secouée par une tragédie, nouée lors de la soirée caritative auquel bon nombre de ses héros ont été conviés. Le destin d'Alex en basculera.